La France bouge, la pépite du jour. Et oui, parce que chaque année, nous remettons des trophées Europe 1 de l'avenir. Ici, dans la France bouge, on découvre des pépites. Euh, Aujourd'hui, c'est un projet qui est né en janvier 2015, c'est bien cela Oui. Hein, Jacques-Antoine, vous avez 73 ans, vous êtes un entrepreneur, hein, vous avez toujours été entrepreneur, vous avez euh, dirigé pendant. Euh, Près de 25 ans, c'est ça, la, la, une, une société d'installation frigorifique de 750 salariés qui a été rachetée par la suite. Et vous êtes allé au bout de votre rêve. Pourquoi Parce que vous avez fait assembler dans une usine de Lannion en Bretagne la toute première capsule euh, hôtelière, on peut le dire comme ça, habitable. Alors avant d'entrer dans le détail de votre parcours et comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous est passé par la tête, on va exceptionnellement commencer par le pitch. Nous, on veut, on veut savoir ce Très que bien. vous proposez. Est-ce que vous êtes prêt. <laughs> oui. Allez, on vous écoute. C'est à vous. Eh bien, imaginez, vous arrivez dans un hôtel en bord de mer, aux Maldives, aux Bahamas ou à l'île Maurice, et l'hôtel vous propose de dormir à bord d'une soucoupe flottante, amarrée près du rivage, avec deux hublots sous-marins de 4 mètres de large, une vision sur l'horizon à 360 degrés, et à l'étage une terrasse solarium. Eh bien, c'est ce que nous fabriquons à Lannion, en Bretagne, des soucoupes flottantes Anténéa, qui sont des suites hôtelières 4 étoiles, 50 mètres carrés. Elle ne consomme que de l'énergie solaire et ne rejette que de l'eau propre. Pas de raccordement au littoral, ni électricité, ni eau douce, ni eau noire. Antenea est 100% autonome. Donc un bilan carbone excellent. Alors le premier Antenea est en cours d'expédition vers Doha, au Qatar, avec une escale logistique actuellement à Honfleur. Le deuxième suivra vers Oman, Sultana. Et le troisième sera expédié au Caraïbes un peu plus tard. Et puis sûrement bien d'autres après. Oh là là, vous nous avez fait rêver vous aussi, Jacques-Antoine Cesbron, président d'Anténéa, donc cette capsule euh, autonome, flottante, de luxe, euh, de 4 étoiles. Euh, elle ressemble à quoi pour qu'on puisse l'imaginer quand on, quand on entre à l'intérieur de cette capsule Alors la première surprise, et c'est toujours l'effet waouh auprès de toutes les personnes qui visitent, c'est l'espace. C'est très très large, bien plus large qu'un bateau. Ça fait 9,40 mètres de large. C'est très haut, il y a plus de 3 mètres à l'intérieur. Et c'est très stable parce que à la fois par la forme, mais aussi par euh, le fait qu'on peut ballaster. On ballaste en ténéa, c'est-à-dire qu'on double son poids avec en remplissant les coffres d'eau de mer, ce qui donne une stabilité énorme. Et même s'il y a des vagues ou des sillages autour, ça ne bouge pas. Donc on a une... l'habitude de dire que c'est un bateau pour les terriens. Donc c'est comme une cabine de luxe de bateau isolée. Ah oui, C'est beaucoup plus grand. Imaginez voilà, la cabine de luxe de votre bateau, elle fait, elle fait quoi 3 mètres ou 4 mètres de large et elle là, 9, ,40 mètres. 9 ,40 est mètres 40. 9 mètres de large. Mmh. Euh, et en totale autonomie Alors ça peut être totale autonomie. Ce n'est pas le cas de la première qui part, mais la deuxième à Oman. Elle part quand au Qatar c'est le Qatar est en cours, elle est partie de l'Anjou, elle est en, cours. Elle est elle est en ce moment à Honfleur. À Honfleur. en fleurs, elle part le 15 vers euh, vers sa destination. Mais la deuxième qui ira à Oman sera exploitée non pas sur le littoral, mais au milieu de la baie. Mm -hmm. Donc en totale autonomie solaire, mm -hmm. elle, fa... elle va fabriquer son électricité pour euh, le, tout ce qui est éclairage, mais également air conditionné, mais également son eau douce par désalinisation. Et ensuite, elle va traiter ses eaux grises et ses eaux noires pour ne rejeter que de l'eau propre. Donc, totale autonomie. Ce qui permet à un hôtel, d'ailleurs, de créer, ex nihilo, un, un établissement en flottant de réceptif. Ce sera la sans, suite, ça C'est-à-dire sans. Non, non mais aujourd'hui, un mmh. antenna qui est commandé par un hôtel, mmh. soit c'est une extension d'hôtel, très bien, soit l'hôtel peut créer, sans avoir de réseau à terre, il reçoit les antenna qui ont été réceptionnés en capsule. usine, bureau Veritas, et dès le lendemain les antenneas peuvent recevoir des hôtes. Donc, c'est très rapide. Alors qu'aujourd'hui, faire une création d'hôtel à l'autre bout du monde, c'est entre un an et un an et demi de chantier. C'est des nuisances. Euh, il faut expédier à partir de France le personnel, les matériaux, etc. Il y a des problèmes de délai, des problèmes de qualité. Ce n'est pas du tout le cas avec antenneas. Mmh. Donc, c'est clé, clé en main. C'est clé en main, et utilisable tout de suite donc pour le compte d'exploitation de l'hôtel, c'est très vertueux. Jacques-Antoine Cesbron, ce vous avez 73 ans. Que vous est-il passé par la tête pour, pour vous dire un beau matin, je vais lancer une, une capsule flottante hôtelière 4 étoiles James, James Bond, tout simplement. L'espion qui m'aimait, 77. Il s'échappe d'une ville sous-marine dans une capsule de rêve. Il est intercepté par les, les gardes-côtes américains avec sa James Bond girl. Ah, ce James et ça Bond, fait rêver. Donc on a ah, voulu faire la okay. même chose. Vous vous souvenez Il n'était pas et tout seul en fait sur vous, oui. vous souvenez ah Oui, mais bien sûr. Et, et vous, vous aussi, vous vous souvenez si belle oui. Bon, donc ça, c'est, vous voyez ce film, donc c'était en 1977, c'est voilà, ça Voilà, Elie des chemins, et puis après, je bah, j'avais évidemment euh, beaucoup d'autres priorités. Mais après avoir vendu mon entreprise, oui, ce projet m'a beaucoup plu. Et l'idée, c'était de construire quelque chose de bien plus grand. Ça ne vous a jamais quitté, ce film Il est sorti en 1977, en en 2023. Non, mais attendez, des projets, en, on en a plein, j'en ai plein dans la tête. C'est formidable. J'ai toute la vie devant moi pour faire les autres, mais là, celui-ci m'occupe beaucoup actuellement. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, si vous êtes dans la France Bouge, Jacques-Antoine Cessebron, ce c'est aussi parce que euh, vous êtes en train de lancer cette, cette capsule euh, flottante. Là, on vous l'avait dit, la première est en cours d'expédition vers Doha au Qatar. Elle a une, ex, une escale actuelle à Honfleur. Une deuxième va suivre. Euh, vers Oman. La troisième sera expédiée euh, aux Caraïbes. Jacques-Antoine, vous avez besoin de trouver des lieux d'exploitation et des exploitants qui achèteraient vos, vos soucoupes flottantes, on peut le dire comme ça Alors oui, il y a pas mal de, de demandes dans le monde entier, sur la ceinture des tropiques, même au-delà, puisqu'on est très bien isolé. On peut chauffer hein, en Ténéa quand on est euh, dans les, les latitudes élevées, nord euh, ou sud. Mais on aimerait bien avoir des références en France. Il euh, y a quelques projets, mais c'est vrai qu'on cherche des lieux d'exploitation. Mmh. Pourquoi parce que la réglementation en France est un peu bloquée, même si notre président aux Assises de la mer de Montpellier en 2019 nous a dit dans six mois, on sort une loi littorale. Ben on attend toujours. Mmh. Et comme l'Europe regarde la France pour faire ses lois, puisque la France fait un peu autorité en matière de navale, eh bien, il n'y a pas grand-chose de concret. Donc aujourd'hui, pour exploiter un anténaire soit c'est au bout d'un ponton que quelqu'un possède, il y, des, il y a des cas comme ça, soit ce sont des ports qui donnent l'autorisation et, et, et on a des. On connaît des, euh, des sociétés hôtelières qui exploitent des, des sortes de, de, de maisons sur des flotteurs mmh. dans des ports. C'est très intéressant parce que euh, même dans notre antenne, dans le port de Trébordin, par la baie sous-marine, on voit des homards dans le fond du port. Si on allume les projecteurs la nuit, il y a des dizaines et des dizaines de poissons. Donc oui, nous cherchons des destinations comme ça en France mmh. avec des personnes pour les exploiter.